Roulo. Et nous-mêmes comme dirigeants, nous ne pouvons pas garder Roulo ça. Nous prenons deux actes. Un acte, peuple haïtien, rester Ariel Henry. Un deuxième acte, Ariel Henry en fuite. Ariel Henry qui te paye. Ariel Henry, la guerre dans Roulo. Liba même fait transition à l'autre monde, mais peut-être où il allait. Si Ariel Henry allait, directeur police pas existé, tout ministre en Maro, l'État pas fonctionné, nous plein problème dans le pays, insécurité, l'État pas marché. Est-ce que nous même comme dirigeants, nous qui arrêtons pour nous garder, nous pas quoi ça fait pas ici. C'est ça que fait, nous prenons décision nécessaire pour Haïti, et pas décision moi Jean Chalon. Nous prenons décision comme il y a problème au niveau de la cassation avec Jijo. En plus, nous ne pas d'accord. Nous prenons un juge que 20 juges coup d'appel ont été choisis pour être envoyés dans la CSPJ. Qui est le juge Junior Duré. C'est lui qui nous choisit. Et il y a deux personnes qui accompagnent. Sénateur Guy Philippe avec docteur Françoise qui parle à Kobayel. Et je dis, nous t'invitons toute partie pour une porter signature. Nous félicitons les gens, nous félicitons les Haïtiens qui comprennent la décision nous prenons là. Journalistes, c'est pour la première fois que je critique les Américains. Les Américains disent, ils ne peuvent pas voyer Marines dans le pays d'Haïti. Les Américains disent, situation compliquée. Avion ou bien avion qui sont sur le territoire, pas venir en Haïti. Et c'est domaine tout, font bel geste. L'autre va d'accroyer, passer sur le territoire. Qui donc, nous t'as seulement moun fou, si nous t'as quitté vite ça, par rapport à ce que nous faisons, pour nous t'as quitté payant libre, Haïti c'est pour nous. Si vagabond fou, nous nous pas fou. Peuple haïtien, Ariel sont irresponsables, Ariel sont grand monde qui pas capable de comprendre rien, libre à Isamer. Il n'y a pas même de lucidité pour nous quitter la mener dans la boue. En vérité, nous allons quitter sa fête. Comme nous t'élevons campé, et tout ce que nous devons élever campé, c'est ça qui fait nous prendre une décision raisonnable, réfléchie, qui va mener nous à bon port. Haïtien, continue mobilisation, traquez Ariel. Si tout le monde a changé d'idée, traquez-le. N'ayons pas au prince, traquez-le. N'ayons pas au cap, traquez-le Pillon, traquez-le Jérémy, traquez-le Okaï. Traquer Jacques Bell, traquer Ariel pour des paix, tout côté qui est aéroport dans le pays. Qui donc, je dis, nous comptons, international, pas faire force pour venir poser nous. Mais, c'est nous-mêmes haïtiens qui prenons des noms, nous dirigeants. Ensuite, nous comptons, longtemps, l'Occident ne pas comprendre, jouer là. L'Occident ne pas réfléchir. Je dis, l'Occident commence à réfléchir. Peuple haïtien, mobilisation a continué et nous avons posé toute action qui est bonne pour payer nous pour nous retirer le pays dans sa liée la Yotia. Avant d'aller, on paye, nous avons un grand goût, on paye, nous avons une sécurité, on paye qui va diriger, on paye, il y a la mort, il y a un petit monde, la barrette est monde, et ensuite, prison plein monde, yon pays, moun kap dirige la pa ki tête li pa bon. Est-ce que nous avons arrêté pour nous passer tout le monde comme ça? Qui donc, nous prenons une décision qui est bonne pour Haïti? Et nous avons payé à bon port. Qui est haïtien? Après si Antion, nous allons l'annoncer tout de suite qui va venir. Intervention ça pour nous remercier le peuple haïtien qui fait preuve de compréhension malgré situation malouque que d'ailleurs nous tous connaissons. Situation de insécurité, situation grand goût, situation misère. Yo fait preuve de combativité pour que yo retire tête yo dans sa yoye jodie. Là nous considérer après plus que 3 ans, équipe qui n'a tête pouvoir là. Montrer par tous les éléments connus que yo ni pas capable et yo pas de volonté pour retirer peuple haïtien dans la situation que nous avons. Là nous considérer que consensus
qui te mené moun qui te dans tête pays yo jodi a comme gouvernement comme premier ministre li arrivé à terme depuis le 7 février 2024 et conformément à l'article 20 des documents que yo te signé yo te endossé et qui publié dans le journal officiel de la République. Là nous considérer mouvement de protestation qui gagne ensemble pays et revendication peuple là qui mandait pour retourner avec un gouvernement bicéphale, un pouvoir bicéphale, ça veut dire un président ou un conseil avec un premier ministre. Les nous considérer ensemble de discussions qui t'ai gagné avec un paquet de partis politiques, organisations dans la société civile, journalistes qui prennent un pile engagement dans la question ça, et les nous considérer que ce pouvoir aujourd'hui qui déserté par devant responsabilité. Nous demandons par appel que nous dénoncer à parti politique qui répond présent matin, qui fait un geste patriotique pour endosser document ça qui relaie proposition conjointe et solidaire des forces vives de la République pour nous sortir pays dans la situation que lié aujourd'hui. Donc nous avons le devoir de remercier l'ensemble parti politique qui déjà signé organisation ça et proposition ça qui non seulement signé qui endossé et qui a fait promotion pour lui. N'a remercier ensemble organisation droit moun, organisation sociopolitique, organisation qui tout partout dans neuf départements pays parce que pendant n'a parlé avec nous là proposition ça l'a signé partout dans pays là. Et qui ça proposition ça y est. C'est proposition qui doit aider les Haïtiens sortir dans irresponsabilité, dans insécurité. Et c'est une expression pour pas gagner un nouveau commissariat qui boule, pour pas gagner un autre tribunal qui boule. Proposition ça, c'est une expression pour nous dire oui, nous grand monde tête nous et nous voulons prendre responsabilité nous pour nous retourner avec la souveraineté nationale qui est là-dedans trois éléments. La souveraineté politique, ça c'est un acte politique, la souveraineté sociale pour nous consolider la souveraineté économique. Donc, document ça, qui c'est une expression de volonté de l'ensemble du peuple haïtien, il était ouvert et il y a continué consultation. Et n'a petit peuple haïtien. Je dis, il y a une responsabilité pour que nous campions, non seulement pour que nous mettions en application tout ce que nous disons dans le document, mais en même temps pour être veillé que exactement ce qui dit dans le document, ça, qui est là-dedans, trois objectifs que je vais expliquer là. Premier objectif du document, c'est la restauration de l'État sur l'ensemble du territoire de la République d'Haïti. Depuis me dit la restauration de l'autorité de l'État, un, nous est sécurité, mais ce n'est pas seulement sécurité. C'est prendre contrôle à l'aéroport, c'est prendre contrôle frontière, c'est prendre contrôle tout élément qui a rapport avec question sécurité. Ça, c'est le premier objectif là. Et c'est fait à ce que la police nationale d'Haïti, c'est fait à ce que l'armée d'Haïti et toute notre force que la loi reconnaît pour que nous arrivions à combiner pour nous faire peuple haïtien la sécurité que nous tous adaptons. Deuxième objectif, document ça. C'est un document qui est expression de volonté ensemble parti politique qui voulait le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que je dis à nous, par contre, qui comptait nous y est. Et quand on dit le retour à l'ordre constitutionnel, nous voulons dire, un,
faut nous organiser l'élection sur l'ensemble du territoire de la République pour que nous renouvelions le personnel politique pays. Pour nous tourner avec le Parlement, pour nous avoir un président dans le palais, pour nous gagner dans toute mairie des élus que le peuple a lui-même choisi. Et troisième objectif document ça, que le parti politique avec l'organisation sociale que nous sommes constatés, si elle avait un pile engouement. Je dis à notre situation économique est catastrophique. Et c'est le troisième objectif document ça. C'est pour que le nouveau monde que vous choisi là, que par consensus que vous choisi là, pour faire tout ça qu'on est, pour retourner avec un souffle économique. Pour les marchands qui sont là où ils matin. Pour nous être capables de dire secteur qui est plus vulnérable. Là, nous prenons hôtel. Je dis à nous prenons secteur et les gens qui sont en question de location de machines. Non,
En tant qu'accord, et plateforme JTT, vient à toute équipe, tout le monde est connecté dans la Yak Taboumé, pour tout le monde vient signer. Alors, Moza, il y a un bagage nous remarquer, on parle qui c'est désarmement. Est-ce qu'on pense et désarmement dans le moment ça là, et dans le niveau et les examens arrivés là, est-ce qu'on pense que c'est possible et est-ce qu'on pense que c'est positif tout pour nous capter? Malgré dit la presse encore, monsieur qui désarme n'a pas de problème pour remettre l'état ZAM. Ni pour y être capable de porter de la justice. C'est parce que la justice t'a corrompu. La justice est la justice caca. Sur la justice, on va apprendre ça aujourd'hui. Il y a plus de 2 à 3 000 personnes qui sont en prison. Côté que nous tenons bien à exorer nous. Qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qui ne peuvent jamais passer devant le juge. Mettons en place next à eux. Là, on va apprendre. Ils prennent 11 joueurs pour eux. Ils prennent 11 hommes pour eux. Ils prennent un proche. Yo mettel dans prison qui pas jamais jugé et yo même bay l'argent avec des juges qui pour la guerre moun pour yo juge pas même la guerre maintenant ou même en tant que journaliste est-ce que tu as porté tout bay gang bay criminel ça yo oui ou doit porter tout bay la justice yo la justice qui pas faire injustice même gens ou dans article 31 jusqu'à 35 li pas en pile dans nos militants droit pour nous parler. Parce que l'État va nous cailler, l'État va nous travailler, l'État va créer avec rien avec nous. C'est un mandat qui est décerné contre moi-même. C'est un mandat qui est lancé contre plus l'autre encore. Et moi-même, c'est pas un mandat qui est lancé pour éviter, mais c'est un mandat pour arrêter. Mais pas même arrêter, pas arrêter. C'est physique à physique. Parce que je connais bien qui est moi-même. Qui est qui lance ce mandat? Nous connaissons déjà. C'est moi qui pose ça. Haïtien seulement. Non, mais qui est-ce qu'il y a une figure publique là, qui a donné qui est nommé ça? Eh bien, nous prenons quelques minutes pour ça. Merci. Nous dit, je dis, après plus de 30 mois de gestion des abjis administratives, le neurochirurgien, ancien PM Ariel Henry, la société haïtienne, je dis, nous dit, grâce à détermination, autodétermination population haïtienne, nous disons que nous allons placer gouvernement provisoire, peuple. Nous disons gouvernement provisoire, peuple. Il y a pile sang qui coulait déjà. Il y a pile innocent qui mourit. Et nous faisons appel solennel avec messieurs qui n'ont pas les nationaux. IGPN, Katim, qui n'est pas les nationales, SPO, nous dit, gouvernement ça qui va installer aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui est le mieux. C'est le gouvernement qui va travailler pour la police nationale. Là, pour que l'ancien père Ariel Henry fait appel avec 20 mercenaires, la paie 4 à 5 000 dollars américains. Et comme la police nationale, là, c'est 180 dollars à 200 dollars américains. Pour que il va pas au moyen. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas rien pour être capable de faire la population qui protège à servir, c'est lié à servir. Dans ce sens, nous disons que la bataille a été lancée et la bataille a continué. C'est Haïti contre la primature. Et dans ce sens, nous disons, nous ne sommes pas en face de la police qui est vraie police qui voulait arrêter notre peuple. Nous ne sommes pas en face de l'armée qui c'est l'armée qui dit que c'est pour contrecarrer tout l'ennemi qui vient de l'extérieur. Nous disons aujourd'hui, BESAP avec les policiers qui voulaient. Et une frange de la mer qui voulait, je dis à M. Ariel Henry, il n'est pas Premier ministre. Et je demande à tout ministre qui est solide avec Ariel Henry, depuis ce moment même que nous parlons, pour tout ministre qui a démissionné en bloc. Nous ne voulons pas pour trop se couler. Je dis à pousser le peuple qui parle marché pour un ministre. Nous disons ministre haïtien, il y a ICC, il y a ICREF. Si on te fait ça, on les doit comme supérieur. Et si tu
là pour capable juger. Ils sont là pour capable faire inventaire pour connaître comment écraser l'État, comment tuer le peuple. Je dis à tout haïtien dans la rue, ils ont en battant, ils ne vont pas connaître pour aller. Nous disons, ce n'est pas un gouvernement qui a venu là pour prendre paternité, qui a 50 ans, il va faire des routes bien déterminées pour capable organiser l'élection, pour capable mettre sécurité dans le pays, pour jouer nous opérer avec tout le monde. Que ça ne couche ou des sorties, le gouvernement s'est parlé de la vie, il a parlé à quel soit. Parce qu'elle a bien autonomie et nous dit Haïti par République Port-au-Prince a bien compté tout pour tout le monde, organisation et parti politique qui dans la ville provinciale, libère par électronique, il y a capable de les signatures par eux pour mettre les documents ça pour l'Occident capable, c'est pas un grain sec, c'est pas un ancien politique pour Rado Calais, mais c'est crème. Moun qui a bataille pour faire ça, nous dit révolution ça, sous révolution à l'haïtienne, que tout haïtien la donne, journaliste la donne, pour suspendre tuer journaliste, suspendre pédagogie journaliste, suspendre faire nous perdre à qui, dans l'article 28 qui dit journaliste ça, doit professionnaliser. Alors, dis-nous non. Actuellement, ça qui pourrait établir, c'est conseil présidentiel là. Nous déjà connaissons, déjà besoin de répéter, il y a trois personnes là-dedans. Il y a une fille de garçon. Et nous connaissons Guy Philippe qui a présidé et tête commission ça. Nous connaissons slogan, c'est dépêlier. C'est prisonnier président. Mandela saute dans la prison. Le président, tout récemment la Kainoula, privé, saute dans la prison. Le président, tout récemment au Brésil, Lula saute dans la prison. Le président est en d'autres. Ça dit prisonnier, c'est synonyme de président. Et dans ce sens, ça nous dit, nous voulons que tout haïtien connaisse confiance que nous mettons dans la commission, ça, c'est lui-même qui autodétermination peuple. Ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement qui nous prend, nous, easy pour mettre son coup d'État, son pays qui vide, comme c'est nous-mêmes qui avons bataillé dans la tête de révolution, nous disons nous placer un gouvernement provisoire et nous dit, tout pays qui voulait établir relations avec nous, pour nous repenser, ça a les relations diplomatiques, nous grand monde tête pour nous connaître comment nous pouvons faire relations avec tel pays, sur qui base nous faisons relations diplomatiques avec nous. Alors là nous conseillons.